Je reviens des quelques courses, même si en effet hier j'ai fait vraiment le strict minimum parce que il fallait que je publie la vidéo à 19h. Le truc c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Là, ce que je vais faire, je vais aller préparer les stories pour Dadoline, comme ça je vais vous montrer chaque modèle en détail, etc. Je vais vous les présenter un par un. Et ensuite, je vais aller faire un petit ménage incroyable. Après, je vais aller faire mon montage pour la vidéo de demain où je vous explique un petit peu tout le projet, tous les behind the scenes, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et voilà quoi. Ah oui, et encore deux choses. Alors, vous avez été tellement, tellement nombreux à m'envoyer genre votre CV de mannequin pour participer à la prochaine campagne d'Adolink, etc. Et franchement, j'ai découvert des physiques pépito. Eh, vous êtes trop belles. Vous êtes incroyables. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, j'enregistrerai votre profil pour les autres campagnes ou pour des petits shootings comme ça entre deux collections. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à m'envoyer votre compte Instagram. Je vais vous enregistrer dans un petit dossier spécial. Et quoi encore? Et aussi, vous avez eu énormément, énormément de questions. Donc, je me suis dit que j'allais filmer dans les jours qui arrivent une vidéo que je mettrai sur le compte de Dadolink dans laquelle je répondrai à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ici. Alors, je devais filmer. Ben, on va se lever là. Ça devait être une pause. Pas une sieste. Wesh. Le haut s'appelle Alpha Female. Un haut corsé. Vous avez 6 baleines. 3 ici et 3 derrière. Donc en fait, ça part vraiment dans la même shape montante pour vraiment maintenir le buste et vraiment créer cette silhouette de gladiatrice limite. Vous avez Dadoling brodé ici en beige pour qu'elle soit assez discret, assez nude. Vous avez un zipper pour le fermer ici et il est trop cool. Je l'aime trop. Pour le jogging, c'est le jogging but kind of lazy, hyper oversized que j'adore. Donc là, il y a vraiment, vraiment de la place. C'est pas un élastique qui est trop tendu. Je porte un 38. Alors normalement, je porte du 36, mais vous allez vraiment pas voir de différence entre les deux tailles. Ça va être vraiment plus au niveau du tour de taille. Vous allez voir une petite différence. Il y a des poches hyper profondes et vous avez le Dadolink ici, brodé aussi, hyper discret. Il est molletonné un petit peu, donc j'avoue qu'il est un peu chaud pour la saison, mais je voulais vraiment un jogging qui dure sur le temps. Et j'adore, regardez-moi la silhouette que ça fait. Ça fait tchou. On a le Unimpressed Bomber. C'est un bomber qui est crop, donc il a une très très large bande élastique ici qui va vous soutenir, qui va vraiment arriver à la taille avec des manches hyper oversize. Vous avez une méga capuche. Et vous avez le zipper gris anthracite qui vraiment ressort hyper bien. Elle est vraiment de qualité du tissu. Vraiment, je suis super fan. Je le porte en taille 38. Regardez quand même à quel point il est oversize. Il est bien. Notre t-shirt Way Too Cool. Ça, c'est une taille 38. Le modèle sur le site porte une taille 40 à 42. Donc vraiment, vous pouvez prendre une taille plus large pour le transformer en robe. Là, ça fait vraiment taille t-shirt oversize. Un tissu qui est stretch. C'est exactement le même que pour le haut corset Alpha Female. Et vous avez ce design hyper coloré, inspiré des mangas. Donc en fait, j'aime bien ce petit côté déchirure. Et il est tellement simple, mais en même temps, genre, il est cool parce qu'il est très coloré, il est très estival. J'aime trop. I'm the owner. Poussez-vous, je suis la patronne, tu vois. C'est du 40. Moi, normalement, je fais du 36. Mais en fait, je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau du shoot. Je sais absolument pas où est passé le 38 et 36. Donc, vous avez cette magnifique robe bandage, un petit peu, en stretch hyper épais. Je voulais vraiment pas qu'on ait un tissu qui s'étire par rapport aux hanches, par rapport au tour de taille, par rapport à la poitrine, qui s'étire et qui devient transparent. Ça, c'est vraiment ma phobie. Et en fait, à cette robe est intégrée une chemise oversize. Je pense que vous voyez encore au niveau des manches. Et là, vous avez une sorte de faux balconnet. C'est vraiment comme si vous aviez mis une robe au-dessus d'une chemise. Notre chemise que j'aime beaucoup trop, c'est la chemise Back to Business. Le tissu vient d'Italie, donc c'est vraiment un tissu de super bonne qualité. Il est opaque, il est épais, il est bien structuré. Et c'est un col qui est magnifique aussi. Il est hyper large et vous pouvez évidemment le boutonner. Il y a des boutons tout le long. Et vous avez une poche latérale ici avec une bande. Boum. Ça, c'est le pantalon All Day Meeting. Il coupe droite et donc ce qui va faire que vers la cheville, il va arriver un petit peu drapé et ça va créer une très très jolie silhouette. Il est en crêpe satin, donc c'est un petit peu satiné, mais ça va pas vous grossir ni quoi que ce soit. Et le tissu, vraiment, il est absolument pas épais, il est respirable, il est hyper confortable. Il a des poches sur le côté, derrière. Et là, je porte du 36. Je vous présente la veste It's a Deal. Donc c'est une veste blazer slash kimono, un petit peu inspirée du Japon et des kimonos incroyables qu'ils ont là-bas. Le corset est vraiment intégré à la veste et vous l'attachez ici par crochet. Je ne sais pas si vous pouvez voir.
Et regardez-moi ces manches incroyablement oversize. Donc elles ne se ferment pas, elles restent vraiment fendues comme ça. Et voilà, c'est ma petite veste. It's a deal. Parfaite pour signer des contrats à plusieurs milliards d'euros, tu vois.